C'est quoi comme chien? Ouais. Est-ce que vous êtes allé chez le vétérinaire voir s'il était identifié par puce ou tatouage? Non, mais il peut être pucé. Et ça, s'il est pucé, vous ne pourrez pas le voir, mais seulement avec l'appareil détecteur de puces que vous trouvez donc chez un vétérinaire. Vous pourriez le mener chez le vétérinaire? Chez n'importe quel vétérinaire, hein, vous allez, puis vous regardez en fait s'il est pucé. Hein? Et sinon, ben alors là, il faut appeler la police municipale de la commune où vous l'avez trouvé, et eux vont appeler la fourrière pour nous l'amener. Mais nous, si vous voulez, on n'a pas le droit d'aller le chercher directement, par exemple. Mais déjà, dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est de voir s'il est pucé. Hein? Et bien, normalement, ça doit passer, on a des conventions, nous, avec les mairies, et il faut passer par la police municipale et ensuite la fourrière. Hein? D'accord. Ben, je vous remercie. Au revoir. Voilà mon papy. Ouh, ti papy. Oui, c'est petit papy, ça. Mon papy. Je suis sale, je trouve ça. Je m'en fous pour les yeux. Ah, mais j'ai pas vu. C'était entamé. J'ai attrapé la mère, là, tu sais, qu'elle a binge, là. Ben, elle a du pus dedans, hein. Mais oui. Je vais bien nettoyer. Pardon. Je vais trouver là. Il y a ça. Il faut y aller, hein. Ça, là, c'est côté complexe, là. Ah, c'est pas le plus, voilà. Papy! Papy! Papy? Hein? Comment t'appelles? Papy! Ah, papy! Papy! Papy, 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 il est parti, papy! Non, 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 non,